Conseil technique est enregistré au Club de golf de Victoriaville, hôte de la 9e édition de la Coupe Canada Sanimarc Fenergique, présentée par la Ville de Victoriaville. Voici le professionnel Jérôme Blais. Aujourd'hui, je vous parle d'utiliser l'herbe longue à votre avantage. Dans une situation, au trou numéro 17 au Club de golf Victoriaville, et puis là, j'ai un coup complètement en descendant. Aussitôt que j'arrive sur le verre, ça descend énormément. Les gens auraient tendance à essayer de lober la balle en hauteur pour essayer d'avoir une réception sur le verre qui est plus douce et qui roule peu pour ne pas rouler complètement à l'autre côté. Par contre, ça demande quand même pour faire un lob, un bon élan. Ici, on lève la tête, on voit la rivière derrière. C'est un peu froid aujourd'hui pour aller se baigner. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser un fer 8 ou un fer 9 avec une trajectoire de balle plus basse et qui roule un peu plus, ce qui va nous permettre de tomber dans l'herbe longue et d'avoir un amorti et laisser la balle rouler en douceur sur le verre par la suite. Ça nous évite de faire un grand élan. Donc, si jamais on ne réussit pas le coup parfait, bien, ça ne devient pas un désastre. Au pire allié, on va juste embarquer sur le verre ou dépasser un petit peu la pine. Donc, comme on voit ici, je vais tomber environ 2 à 3 pieds dans l'herbe longue. Je vais laisser la pente faire le travail pour moi afin d'amener la balle jusqu'au trou. De cette façon-là, ça devient un coup beaucoup plus sécuritaire. On évite de faire du gaspillage sur le trou. Bon gars!